Et après tourner la caille, je nous ai dit au commencement journal, la président République, la Jovenel Moïse, visité vendredi 23 novembre l'an chantier barrage hydroélectrique et Marion dans le département nord-est pays. Président Jovenel Moïse, c'est bien avec une délégation Union européenne. Visite ça permet chef l'État constater gros avancées qui déjà faites dans barrage irrigation moderne ça qui pourrait gagner une capacité 20 millions mètres cubes de l'eau et puis une station pompage qui pourrait alimenter grâce à l'énergie soleil. Grâce à ce barrage et Marion, de l'eau potable pourrait être disponible dans la zone là, 10 000 hectares pourrait en valeur, électricité 24 sur 24 pourrait l'effectif dans toute zone qui environne barrage là, tant que Terrier Rouge avec grand bassin. Nous invitons à écouter la déclaration du président de la République, là, Jovenel Moïse, dans le micro Richardson Jourdan, avec Pence Jean-Baptiste. Ce matin, vous remerciez le peuple haïtien, premièrement, et deuxièmement, nos amis de la communauté internationale, de nous accompagner sur ces grands projets-là, parce que sans l'accompagnement du peuple haïtien, ce sera en fait difficile de réaliser des travaux de cette envergure. Et comme nous le disons chaque jour, nous sommes en train de travailler pour laisser un pays pour les générations futures. Il faut que nous commençons aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, construire des barrages d'irrigation, des routes pour interconnecter les communes, mais on ne pourra pas sans poser le problème de la précarité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que ce problème de sécurité alimentaire que vous venez de parler, M. Manzervizi, c'est un problème énorme que nous avons en Haïti, parce que avec un pays où près de 7 millions de personnes dans ce pays vivent dans des conditions difficiles, c'est important de regarder, de revisiter même la stratégie pour dire qu'aujourd'hui, nous devons en fait regarder ces gens-là en face. Et il m'a profité, dit tout le monde qui, de près ou de loin, qui t'a suivi le travail barrage ça. Je suis une grosse nouvelle de directeur départemental, ministère de l'Agriculture, qui se dit nous que nous avons 50% de travail. Cela veut dire que c'est des travaux qui ont commencé dans le début de l'année. Si 50%, nous avons 50%, normalement c'est des travaux qui pourraient finir l'année 2019. Là. Mais pour le fait, la fête avec accompagnement. Pour suivre la déclaration chef l'État haïtien Jovenel Moïse dans le cadre de visite li fait dans le chantier barrage hydroélectrique Marion dans le département nord-est pays. Pendant la visite, ça, chef l'État a été gagné avec une délégation Union européenne. Il faut que nous rappelions, grâce à barrage Marion, de l'eau potable pour être disponible dans la zone, 10 000 hectares pour être irrigué, pour être mis en valeur, électricité 24 sur 24 pour être disponible pour zone qui environne barrage là, tankou Terrier Rouge avec grand bassin. Et de l'autre côté, le président prêchait la paix, il prêchait entente, dans le temps, tout secteur dans la vie nationale là. Nous invitons à écouter la déclaration. En profiter, même j'aime te faire une adresse à la Nation PAM. Non? Pour moi, vous êtes sympathique par tout le monde qui sont victimes de violences qui sont faites dans le pays. Sinon, dernier jour, ça. Et je profite de l'occasion pour me parler à papa petit. Maman petit. Si le monde qui n'a pas de capacité pour possibilité de aller à l'école, et ce n'est pas Dieu qui n'a pas de voulu, c'était des contraintes de toutes sortes qui t'empêchaient. M'a dit, papa, maman, ça. Qui c'est chaque jour où descend qui est dans le sabotage, ça veut dire l'arrivée en bas de la ville là, c'est au jour le jour pour faire manger. Je dis un rôle pour nous, et c'est pour ça que nous, moi, je dis ça qui est plus important, je dis dans le pays, c'est pas les yon à l'autre là. Parce que rôle pour nous, en tant que chef d'État, rôle nous, c'est mettre tout le monde ensemble pour nous chiter à parler pour nous un pays meilleur. Parce que Haïti nous réveille, ce n'est pas dans le goût, mais yon à l'autre que nous allons gagner. Ce n'est pas dans faire papa et maman petit traiter la caille, qui n'a pas sauté. Ce n'est pas un problème entre deux groupes. Parce que nous tous sommes haïtiens. Côté groupe qui pour ou bien contre, nous tous sommes haïtiens. Moi, je dis, pensez spécialement que vous voyez pour tout le monde qui est victime, mais ça qui est blessé, mais ça qui est mort, la famille, la police qui aujourd'hui est en deuil. Moi, dis-nous que aujourd'hui, ça nous-mêmes nous prêchons.
Si j'en ai commencé, nous dit parti, nous c'est Haïti, et nous tous c'est Haïtiens. Je dis papa, maman petite ça, nous avons bataille pour que en tant que national, ça vienne arriver à nous joindre, pour que ZAM arrive bébé dans le pays. C'est pour ça encore, moi demandé au Premier ministre, commission des armements, si tu as parlé à qui commençait, c'est pour lui accélérer le travail qui pour faire dans les affaires pour ce pétro-caribé, ça. Que y a pile monde qui a travaillé, qui a tant de résultats sur les affaires pour ça, mais il y a pile monde qui utilise comme arme politique. Je dis, nous dit que pour ce pétro-caribé, ça, son procès, l'élève est fait, j'aime toujours dire, pas de droit de chasse aux sorcières là-dedans, pas de droit de persécution politique là-dedans. Mais, Premier ministre, je dis, je connais que la travail, mais il faut aller plus vite. Plus vite pour que la lumière soit faite tout de suite, pour que la paix et la sérénité retournent dans le pays. Président République, là, Jovenel Moïse, visité vendredi 23 novembre, chantier barrage hydroélectrique Marion, dans le département nord-est pays. Pendant visite, ça, l'été Guinavel, yon délégation Union européenne.